tous, c'est Shenlando. Cette fois-ci, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fire Emblem Engage et on va continuer l'histoire. Donc, allez, c'est parti. Ça a commencé avec une cinématique. Je rappelle que l'avatar est... notre avatar était mort. Ah bah ça commence bien. Souvenir. La tenue est différente de celle qu'on a, plus sombre. Ah, ok. 1000 ans plus tôt, on était. Il y a des choses qui changent pas. Hein. Un cadeau, ouais, un anneau. Peut-être le temps de le sortir celui-là. C'était à peu près l'idée. Oh, c'est joli ça. Imano wa yume. Iie. Are wa watashi no kyoku koko wa. Ça s'appelle l'au-delà. Soka. Watashi wa shindan desu ne. ベイルをかばってどれだけ眠ったってもう目覚めないあの時千年前のようには自分の夢が叶っていたことを知るのがえおいちえまあせめてこちらで母さんに会えるでしょうかあ母さんなベイル Mais elle est pas morte. Enfin quoi que... Cette partie d'elle est morte, enfin c'est un bien endormi quoi. C'est un peu triste quand même. Hein. パパから聞いたわ。あなたが私のお姉ちゃんだったんだね。せっかく守ってくれたのに。ごめんなさい。私なんか見殺しにしてよかったのに。何を言っているんですか。私はあの時の選択を間違いだとは思いません。 フェルボンショー、フェルボンショー、あなたは助かる見込みがありますよ。もういや、もういいに困ったんか。これまでだって何度も頑張ったんだよ。いつかパパが私を見てくれるかもしれないって。 Enfin, c'est un tyran. Tyran qui a envoyé ses enfants à la boucherie. Quand de quoi ça? Quand de quoi ça? T'es au monde, Annie?
Je pars, réveille-toi. La combativité, vas-y. Ouais, si. Ouais, effectivement, ils vont tous nous rejoindre. Si je ne te réveille pas. Parce que là, elle n'est pas morte. Elle est toujours là, quelque part. Ça va être quoi, une bataille pour Ez? Bataille d'un monde des esprits? Ou un truc comme dans ce style? Un portail de la mort? Bah si tu reviens là-bas et que tu peux survivre. Tu peux survivre largement. Il suffit d'être du bon côté. Hop, cette idée, elle est vraiment pas terrible. Mort vivant, allez. Pendant ce temps-là, dans la vraie vie, non? Pas dans les songes? Non, y a pas. La question que je me pose, c'est combien de temps on va tenir? Si on a toute notre tête déjà. Puis. Sans tomber en lambeaux, je veux dire. On va se réveiller, elle va se foutre une claque. Du coup, c'est quoi la bataille? C'est un aberration? Seul contre tout le monde ou... Bon, elle est à moitié folle là. Elle va avoir mal à la tête, allez. もう一人の私が恋しいのですか?ではモーブ。あなたから殺してあげます。向こうであなたの主に会えるといいですね。ベイル様?向かいますか?
Elle se bat contre elle-même. お前のほうです。泣くのも惨めな思いをするのも負けるのも全て。いいえ、いいえ、私はもう自分には負けない。こんなもの粉々にしてやるんだから。何？ひびが入っているのなら壊せる。消えるのは私じゃない、あなたよ。やめろ、やめなさい。死ぬ、死ぬ、死ぬ。パパは私を助けになんか来ない。さよなら、もう一人の私。 Enfin, le réveil, le réveil. Du coup, on va pouvoir la jouer. Et elle a changé de tenue. Elle est passée du noir au blanc. Allez, la résurrection. Alors, on n'est pas passé rouge totalement. Pas de grognement. Elle a réussi son coup. Non, je peux pas croire que c'est si facile que ça. Il y a un contre-coup, il y a un plot, twist là, sinon ça. Les anneaux. Ok, je crois que je... Ouais, c'est magnifique. Du coup, il va être quelle couleur les anneaux vu que c'est une aberration? Ça va être rouge ou bleu? Ça marche pas. Ok, ça répond à la question. Ni bleu, ni rouge. Bon, oh, bah, on va finir la bataille et ça va marcher. Ça marche pas. Ah, si. Ah, bah, rouge. Ok.
Bon, mais c'est mieux que rien. Les aberrations attirées par les emmenés pour pouvoir. Alors, le blabla, quoi, pff, quasiment 15 minutes de blabla. À la fois, on est vers la fin, c'est normal. Et vu l'épisode précédent, je m'attendais à des... Fallait là, honnêtement, je m'attends à voir quasiment tous les chapitres, une bonne grosse cinématique, quoi. Plus que d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a des aberrations ? Ah bah ça c'est pour récupérer les anneaux, d'accord. Pour les récupérer. Il y a un petit peu de tour en fait. Alors, qui n'a pas son anneau? À peu près tout le monde. C'est ça le... Ah ouais, non mais je peux même pas équiper d'autres... Oh purée. Oh, ça va être chaud. Ça va être un petit peu chaud. Unité, ben, je peux pas les... Je peux pas choisir, je peux juste permuter. D'accord. Hop, elle est revenue de l'infirmerie entre temps. Il n'y a pas d'archer. Si, un archer monté. Je regarde juste pour pouvoir placer les unités. C'est pas... non, c'est pas... C'est pas mon vie que je veux. Voilà. Voilà. Voilà, 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 on est bon. Je peux pas changer plus que ça. Récupérer tous les anneaux. Du coup, Yanaka, c'est un peu plus casse-gueule, on va dire. Voilà, hop, c'est bon. On va mettre ça comme ça. On va mettre des mages un peu partout. Allez, on a plus qu'à attendre de voir comment ça va se... comment ça va arriver. Et je pense qu'on va avoir un flot de... d'aberrations incessantes. Oui, ça fait plaisir, ça. Allez, ça dégage. J'aime bien, sans effet. Il fait qu'une attaque.
Ah, faut que j'avance le plus rapidement possible. Allez, hop, on attaque. Académie, c'est éveil. Bon, il va falloir que je récupère. Ouais, Lynn. Lucina. Ah, qui c'est qui va prendre l'emblème de Lucina? Très intéressant. Lynn, je sais que tu vas la reprendre. C'est bien parce qu'il faut pas aller vraiment au cac pour les récupérer. Bon. Bah dommage pour l'XP. Déjà, on débarrasse de ça. Je prends climax. Là, ce sera vite fait. Et ça level up, c'est cool. On va nettoyer ce côté-là. Essayer de récupérer des anneaux assez rapidement. Mais du coup, je crois que je peux faire juste le. Allez. Ah, il va rien dire de plus, hein. À part venir. Voilà. Alors, le rose, c'était qui déjà? J'essaie de me rappeler avec les couleurs, les symboles. Corinne, c'est le blanc, je crois. Bon, ça, c'est bon. Les bonnes esquives. Bon. Allez, je vais récupérer Lynn. Ça, c'est cool. Et après, c'est Lucina. Là, pour le coup, je peux pas passer là. Je suis sérieux, faut que je fasse le grand tour. Oui. Bon, c'est pas grave. On va faire le grand tour. Hein. Là, pas moyen de TP. Ouais, ça va.
Ah, je suis en mal, mais c'est pas grave. Faut que je m'en débarrasse. Bon, d'accord. En fait, ça fait pas mal du tout. Je sais pas ce que c'est. Ce que j'ai récupéré. Alors, hop. Alors, Veil, le truc qui est bien, c'est que c'est, je pense, le seul mage noir de... Donc, elle va être pétée. J'ai pas de tank, là. Rester là et attaquer. Ouais, bon, bah, c'est pas top, mais bon. Alors, je peux faire me débarrasser de. Ah ouais, l'aberration, tranquille. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Je peux pas m'en débarrasser parce qu'il y avait ça. Du coup, critique. Ah. On va faire ça comme ça, on va s'en débarrasser. Le second coup, c'est souvent un critique. Et ça fait plaisir. On va faire une petite garde enchaînée. Ce sera mieux. Vu les ennemis qui se baladent et l'ouverture qu'il y a. Bon, c'est vrai que si je fais des critiques sur critiques, je vais pas m'inquiéter. C'est honnêtement, la map, c'est pas qu'elle va être difficile à faire, c'est que ça va être un petit peu plus, un peu long, quoi. Parce qu'il faut que l'avatar se déplace à chaque fois. Et que les persos, et les bons persos, aillent récupérer les emblèmes. Ah là là, c'est bien. Ça va? Ça c'est fort. Alors, Celica et Mikaya. Bon, déjà je me débarrasse de ce côté là, j'avance. Alors Mikaya, normalement c'est des persos qui sont pas là. C'était, je l'avais mis à Jean. C'est comme ça va être Erika et... J'avais pas mis à ce perso non plus. Alors Mikaya, il y a une personne qui peut la récupérer. En vrai. Ouais, mais là non, ça c'est pour Celica, c'est elle. Mais. Ouais, dégâts que je vais faire.
Voilà. Après cette bataille, j'espère qu'on aura une petite pause, on va dire. Je vais récupérer ça. Alors. C'est quoi qui avance? Ouais, ça va. Voilà. Allez, ça avance. J'étais sûr qu'il y avait des aberrations qui allaient arriver. Non, c'est pas Mikaya. Voilà, c'est ici. On récupère Celica. Et du coup, Mikaya, c'est Ivy qui va la récupérer. Bon, les tanks ils sont un peu loin. Mais c'est un peu ma faute. Hein. Donc c'est obligé de passer par là et après remonter. Alors qui? Voilà. Le danseur qui va prendre. Ah pourquoi j'ai mis mon danseur? C'est vrai que c'est une classe très utile, mais si j'ai pas envie de faire rejouer un perso. Parce que je suis en train de me placer. Je dis autant que je fasse un bouclier. Parce que la garde enchaînée, c'est je peux pas le faire tout le temps. Je peux pas la spammer. Qui c'est que j'ai pas joué? Bah oui. Let's go. Allez. Voilà. Nickel. Allez, vas-y. Par contre, là, c'est génial. Elle a l'air très très forte. Aïe. Allez, voilà. Faut tout nettoyer, hein. C'est long de récupérer les anneaux. Foutez-moi la paix! J'allais dire, et où le critique? Mais... Nickel! Ah, allez, niveau max, on est bon! Dragon divin, là, c'est pas trop le cas! Ah, je peux pas avancer plus! Allez hop, je peux pas faire mieux. C'est une honte. Oh, mais... Allez, on se bouge. Ça, je peux en attaquer pour le moment. Thank you.
Allez, critique. Ça fait une jolie lance, mais je ne peux pas la récupérer. Là, c'est pas la peine. Là, je vais pas jouer non plus. Je peux perdre une unité. Alors, je crois que là, il y a Corinne, là, il y a Leif. Et là, je sais pas du coup, je pensais que c'était Celica. Si, Roy. Donc, je vois les persos qu'il faut. Là, ça doit être Erika. Là, ça doit être Sigurd. Et l'autre. C'est lequel déjà d'Anou? La mémoire de son rouge. Ike, voilà. J'en pas autre chose. Il va prendre la max. Même pas. Alors c'est qui va prendre la max? Et ben c'est Veil, hein. Comme d'hab. J'ai oublié que ce petit détail, c'est qu'il a une bonne portée. Non, mais sérieux! J'aurais pas dû avancer l'avatar. Ah, par contre, j'ai aucun doute. Faut que je me fasse ce gros truc, un critique s'il vous plaît. Merci. La vengeance. Nickel. Là, pourquoi on prend. Oh, une petite attaque, ouais. Les tanks qui sont en retard, c'est eux qui doivent prendre justement les emblèmes. C'est cool. Bon, ça par contre, allez, ciao. Là, je sens que ça peut rester derrière, ça faut que ça avance. Là, il n'y a pas d'aberration, je peux avancer tranquillou. Allez, je garde Mauvier là parce que. J'aimerais bien qu'il récupère Erika parce que, en attendant, saleté de voleur. Ouais, là ça fait mal, ça commence à faire mal là. Mage, cavalier. Ouais, ça va. On a connu pire, on a connu mieux. Voilà, comme ça. Avec Chloé, je peux tranquillement. Dague en acier. Alors, déjà. Ici.
Voilà. Ouais, après. Et c'est Erika. Erika, c'est. Déjà. Alors, on soigne. Oh là, ça va être retardé, mais c'est pas grave. Pas le choix. Allez. Bim. Mais lâche. Allez, Olivier, tu vas devoir aller chercher ton anneau. En attendant, ça part à l'anneau. Ça aussi. Ça va rester en bac. On reste là comme ça. Contre-attaque, s'il te plaît. Merci. Donc ça arrive, ça. C'est bon. Corinne, allez, ça c'est direct. On va aller le chercher. Roy, c'est pas bon. Ça c'est cherché, c'est bon. Là, c'est bon, mon vieil, ça va être bon. Non, ici. Non, pas l'objet. Elle doit impérativement y aller. À chercher son emblème. Allez hop, c'est là-bas. Allez, on attend là. Voilà. On finit le tour. Il faut que ça arrive. Voilà. Impeccable. Le critique qui va bien. Niveau vie, on est bien. Là, c'est pareil. On va en finir rapidement. J'aime le sans effet. J'aime quand c'est comme ça.
Alors, le reste, c'est bon. Petite bataille, hein, en vrai. Là, c'est parce que je prends les bonnes unités pour aller chercher les bons anneaux. Je prends le temps, hein. Pour le coup. Voilà, dernier anneau. Et maintenant, on finit le boulot. Impeccable. Là, en vrai, une bonne ligne de défense et puis pas ça. C'est pas grand chose en vrai à faire. Je peux pas m'amuser à aller tout chercher alors que ça vient petit à petit, ça vient sur nous. Voilà, ça c'est fait. Ça fait du bien ce petit soin là. Maintenant c'est le carnage. Pas pour moi. Et le petit, c'est dommage qu'on ait pas. Que j'ai pas réussi à sauvegarder Veil. Sinon ça aurait été scénario sans accro vraiment. Bon. Quand même fait des scénarios plus compliqués que ça. Hein. Ouais, c'est pas la peine que je les bouge. Et le mauvais, je peux le bouger, ouais. Allez, bientôt la fin. Je peux presque les tuer. Alors, repoussement, c'est pas. Quoique, en vrai, ça c'est terminé. Et bon, j'aimerais bien avoir une petite pause après cette bataille. Manière de tout remettre à fond en fait. Tout ce qui est inventaire, tout ça. Donner un petit. Même pour les emblèmes. J'aime bien héros corrompu. Allez. Du coup. Ça donne quoi?
全ての紋章師を権限できました。てよかった。すまなかった。二人。アルフレッド？疑ってしまった。これはソンブルの策で、僕たちを互いに殺し合わす。けれど、共に戦ってわかったよ。君たち。戻ってきてくれて嬉しいわ。信じてくれて、ベイル王女もありがとう。あなた。よくぞ自分自身に打ち勝った。そして、そうでなければ。いえ。嬉しいです。これ。あ、どうしたの？体が。Poum! Allez, un morceau. Tega! Qui est caché dans les mains? Pourquoi? ありがとう、ベイル。安心してください。紋章師は私がいなくても、みんななら。いやよ。せっかく頑張れたのに。ごめんなさい。またそんな風に悲しませて。Mais si, je vais le faire。役に立つことができてよかった。でも、本当は、みんなと。Mais il n'y a plus de dragon divin. Maman. Liu no koyo. Ah non. Chikara o nozomimasu ka?Oh, c'est beau tous ces anneaux. C'est pas ce qu'il disait dans les emblèmes. Il y a eu un moment, un passage, il y a plusieurs épisodes de ça qui parlait de plus ou moins un miracle ou un souhait. Non, sérieux, c'est comme ça qu'ils vont la faire revenir, qu'ils vont la ressusciter.あなたたち、エンブレムのように。その願い、受け取りました。À la fois son monde, il a utilisé le pouvoir des anneaux pour refaire son monde. Enfin, pas pour refaire, mais pour faire ressurgir son royaume.L'anneau. Oh non, ils ont pas fait ça. Le 13e emblème. Nous-mêmes. Ah bah elle est passée au bleu, ouais. Donc du coup, c'est on confie l'emblème à qui là? Ça va rester en forme plus ou moins esprit.Ou pas du tout, ou c'est ressuscité en même temps. Là, toutes les cheveux ont passé, mais vraiment bleu. Flashback.Alors du coup, c'est quoi l'emblème qu'on représente? Je m'attendais plus à voir dire Lumeris, elle avoir l'emblème du dragon divin, mais pas être elle-même l'emblème.マルス、その姿は、
Le pouvoir de Lumière, ouais. Je pensais que c'était plutôt elle l'emblème, Lumière. Oh, ils auraient pu mettre l'emblème du dragon divin dans le Fire Emblem, ouais. Tout le titre du jeu, ouais. Il y a toujours à récupérer l'emblème du feu. Alors là, c'est un peu tiré par les cheveux, excusez-moi. Mais bon, soit. En gros, non, c'est pas être aussi unique, c'est juste qu'elle vient juste de mourir. Le corps il est encore chaud. Donc elle peut revenir. Eux ils sont dans d'autres mondes. Son roi a utilisé les anneaux. Voilà, ils n'ont pas utilisé la faculté. Bah, vaut mieux, oui. Mais faut dire qu'avec les annexes, avec de dire. Enfin, les annexes de renforcer les liens, ça prend son sens du coup. Pas juste une mécanique de gameplay, du coup, dans le lore ça correspond. Si le monde plus ou moins joue de son bon et sans doute les autres mondes, oui, allez, mieux que tu le fasses, oui. Du coup, on va garder les cheveux bleus comme ça ou on va retourner sur notre rouge bleu. Ça fait quoi si elle enlève son l'anneau, l'emblème? Elle meurt ou? Vander, t'as rien foutu. Bon, l'équipe est réunie, on peut y aller. Donc il va falloir battre les deux, Zafia et Gris, et ensuite son monde. Donc ça fait deux chapitres qui restent, plus le chapitre de la phase 2 du boss. Ce qu'il a ouvert une dimension, donc il va falloir aller le chercher.
T'as une forme... comme d'habitude, en général, les boss de Fire Emblem, ils ont la forme humanoïde, et après, c'est la forme... bah, dragon, du coup, là, ça va être. Donc au moins 3 autres chapitres après. Après je peux me tromper. Alors, je rectifie. Alors, un où on va affronter ces sbires, c'est-à-dire les deux, ça vient avec Ignis. Un où on va devoir aller dans la dimension le retrouver. Ensuite, 4 du coup. Manière de bien faire durer un petit peu le jeu. Ah bah c'est s'il y a 3 points et qu'il faut détruire les trois fragments, ça fait 3 batailles potentielles, ça. Selon où les fragments se trouvent. Bon, eh ben, je vais pouvoir sauvegarder, tranquille. Je vais couper la vidéo là, on sait jamais s'il y a une cinématique derrière, j'ai pas envie de la lancer de suite. J'ai envie de la découvrir pour le prochain épisode, parce que cet épisode est bien assez long. Entre le blabla et la bataille, même si c'était pas forcément extrêmement compliqué. Donc je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.